Jamais animal, animal ne tuera, sans raison valable. Accomplie. Cet hymne séditieux n'a plus de raison d'être. Interdiction de le chanter à l'avenir. Sous peine de mort. Le commerce entre Animalville et le monde extérieur se développait de jour en jour. Les bénéfices de M. Whimper firent des envieux et des jaloux. On décida que la plaisanterie avait assez duré. Mais t'as vu qu'Animalville est en train de faire son beurre? Et c'est Whimper qui s'engraisse. A-t-on jamais vu ça, des animaux diriger une ferme? Ils ont même réussi à construire un moulin. Allez, venez, on va les fiches dehors. Ouais, allons-y! Maître Jones fut écarté du mouvement. Ses voisins lui firent clairement comprendre que son temps était révolu. Animalville tombé aux mains de l'agresseur. Il faut vaincre à tout prix. L'heure est venue de nous battre, de donner notre vie pour notre ferme. On prend leur atout.
On entreprit la douloureuse tâche de relever les ruines. Hercule et Benjamin, comme par le passé, étaient l'âme de la reconstruction. N'ayant plus besoin de surveiller les travaux, les porcs se livraient à des occupations plus distinguées. Premiers et les derniers sur le chantier, Hercule et Benjamin s'acharnaient au travail par n'importe quel temps. La relève était assurée.